Sur le département, on va mettre en place une vingtaine de panneaux qui est intitulé Route poubelle. Sur notre département, tous les ans, on ramasse 300 tonnes de déchets, aussi bien de plastique, de déchets ménagers, de boîtes en ferraille, en verre, de tout ce qu'on veut, quoi. Plus ou moins ragoûtant, comme ce qu'on pourrait voir, mais aussi bien des déchets routiers dus à un accident et pas ramassés, quoi. Avec le confinement plus le couvre-feu, on a une légère baisse, donc on observe ça sur les trois dernières années par rapport à nos chiffres. Mais on observe une recrudescence maintenant, c'est que les gens jettent leurs masques, quoi. Donc on trouve maintenant d'autres choses. Et les masques, c'est aussi bien des gens lambda, quoi, comme vous, comme moi, quoi. L'objectif de justement de nos panneaux, c'est de sensibiliser bien plus de monde, quoi, en fait, que ce soit voyant, et surtout à des zones où on a des grandes circulations.